Et c'est parti pour cette course de lizard. Dites-moi, vous avez quel âge? Combien? 78 ans. Eh bien, messieurs les jeunes et mesdames, regardez ça, c'est un exemple. Oui, ben allez-y, vous êtes formidables. Bon courage! Dernier peloton de la course, un groupe important de cyclistes. Et oui, bien sûr, cette course est suivie par nos amis de Strong Light qui assurent l'assistance avec...
monsieur qui va s'arrêter pour se faire assister par Mavic. Bonjour monsieur, pas trop de problèmes? Ça va, très bien. Pour le moment ça chauffe un petit peu. Okay. Ça chauffe un petit peu. Mais sinon il n'y a pas de problème du côté des concurrents? Pas pour le moment, ça va. C'est gris, c'est allé, mais on essaye de maintenir la sécurité quand même dans la course. Ben, je crois que vous faites un travail formidable. Moi je vais continuer à essayer de rejoindre le début de la course. Thank you.
Eh oui, il y a toujours des petits problèmes. Ne vous en faites pas, messieurs, il y aura toujours une voiture Mavic ou Stronglight qui sera là pour vous aider. Nous voici enfin arrivés au col du Tourmalet à 2114 mètres. L'organisation pense à tout, il y a des oranges, des fruits secs, surtout beaucoup de calories et beaucoup d'énergie en sucre. Eh bien, on se croirait à la Feria de Nîmes. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, les cyclistes qui se font attaquer par les... Olé !
Pas trop dur? Comme d'habitude. Et vous avez l'aide de votre copain, je crois, non? Ouais, enfin, c'est plutôt lui qui m'aide là depuis. Ah d'accord, alors qui est-ce qui mène? Sur le plat, c'est lui. Et dans la montagne? Dans la montagne, c'est chacun pour soi. D'accord, ben, je vous souhaite bon courage, merci. Nous sommes sur la route de Larens en allant vers le col d'Aubisque.
c'est parti pour 1200 mètres de dénivelé pour aller jusqu'à 1710 mètres au col d'Aubisque. C'est reparti pour la descente, mais pas très longue car nous allons remonter après sur le col du Soulor. Des vaches, pourquoi pas des ânes? La vitesse peut atteindre 70 km/h sur ces descentes. Et nous voici presque à Argelès-Gazost. C'est ici que beaucoup de coureurs s'arrêteront, car la montée de Hautacam est très difficile. Et il y a des coureurs qui trouvent une façon originale de se rafraîchir, comme vous voyez.
remontée difficile et pénible. Vous voyez, ce concurrent a du mal. Mais il va sûrement y arriver. Messieurs les jeunes, des gens âgés arrivent bien à monter jusqu'en haut de Otakam. Oh, ce film n'est pas fait au ralenti, mais la montée est rude. Voici le premier, Pascal Rota. Bravo Pascal. Pendant ce temps, les autres concurrents arrivent un par un. Oh,
Bravo messieurs. Par organisation ayant pensé à tout, ont un système informatique pour voir les gens qui est lu avec un crayon laser. Merci bien sûr à tous les sponsors.